Nim pat konen. Sou bwa kalbe. Petit run encore. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amis téléspectateurs, salut. C'est encore toujours un plaisir. C'est toujours une bénédiction immense. Et pour nous capables toujours ensemble, pour nous capables partager les belles paroles de la révélation de Dieu avec vous. Et mes chers amis, nous contents de ce que, encore une fois, nous capables à communiquer la parole. Comment nous y est? Est-ce que tout le monde en forme jam? Oui, nous capables de dire avec Dieu, tout va bien. Eh bien, si tout va bien, nous allons commencer par la prière, parce que nous connaissons, c'est Saint-Esprit qui pour révéler nous. Ça nous doit dire.
à ça nous pas de dire. À nous prier. C'est le roi de toute l'éternité. Amen. Merci encore, Père, pour bénédiction que nous pas mérité, mais vous faites nous grâce. Merci pour guérison nous pas mérité, ou guérir nous. Merci pour, Seigneur, plaidoirie que nous pas mérité, ou plaider pour nous. Merci, Seigneur, d'est-ce que Elmia t'a accusé nous, mais Seigneur, par le sang de la croix, par le sacrifice de la croix, ou ba nous libre habiter, ou ba nous accès, ou ba nous liberté sur toute sa table de nuit nous. Et ou dit nous, rien pas de nuit nous encore. Nous bénissons pour chaque ami nous, amis nous, qui gardent nous de part et d'autre. Nous bénissons pour nous. Et nous croyons, moment ça, va un moment béni, un moment de grâce et de bénédiction pour chaque monde qui a accès pour garder choses ça. Béni yo, transformer la vie yo, touche yo, guéri yo, béni yo, promotion pour yo, délivrance pour yo, travail pour yo, mariage pour yo, si y a petit pour yo, ou contre tout ça que yo désire, guérison pour yo kounya, fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, amis, merci d'est-ce que vous avez prié avec nous. Nous sentons que prière connectée. Nous bénis de vous-même, de même que j'envoie une question pour nous, nous apprécions ça. C'est show là qui entre la caillou, c'est show Gardel Paul TV Show, qui toujours dans le ça, dans Chanel ça, dans le ça, nous Focado et TV Show ça, et qui c'est producteur nous, Franck Simon, qui toujours là pour produire show ça, qui fait editing, pour permettre show ça capable, agréable, et j'en vais le présenter. Nous saluons encore une fois, ou même de part et d'autre, ou même qui a regardé nous sous, à travers la télévision, ou même qui a attendu nous, qui a regardé nous tout à travers l'internet, Facebook, Twitter et YouTube. Un gros coup de chapeau pour vous, nous bénissons, bon Dieu pour vous. Et nous avons un partage, nous avons un texte que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Et nous connaissons capable très important parce que nous avons une période et spéciale. Nous avons une période spéciale. Nous connaissons une période, ça nous est capable de dire, et carême, si nous parlons de carême, nous avons dit nous avons une période et 7, si nous avons dit comme ça. Et cette période, ça a été fait un gros rappel de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui était mort non façon vraiment cruciale, en façon vraiment arbitraire et en façon vraiment critique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partager les 7 paroles de notre Sauveur Jésus-Christ à la croix. Au moment au moment des douleurs, au moment des agonies, au moment bon Dieu a agonisé, au moment côté que si Jésus pas dit cette parole ça, moi avant nous t'es fini. Et l'évangile que nous prêchons, lui basé fondation l'évangile là, sur ces 7 paroles que Jésus eut à prononcer à la croix, qui va nous libérer, qui va nous accès pour nous capables de venir enfants de Dieu. La première parole a été dans le livre de l'évangile de Luc, Luc 23, le verset 34. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes chers amis, première parole Jésus prononcée, malgré cette douleur, malgré humiliation, malgré couronne piquant dans tête, malgré bourreau utilisé, alléluia, des fers utilisés et des crocs. Nous connaissons ou même l'ogonti blessure, genre douloureux. Eh bien, on va le comprendre. Et il t'a arraché posséeur. Il t'a pas vraiment matérisé lui et craché dans la figure. Bal vinaigre pour boire. Et vinaigre ça, ouais, Jésus t'a boué à son vinaigre, c'est un ancien du vin que soldat romain t'a con boué, mais qui était cheap, son du vin qui était qui pas de grand prix. Du vin ça depuis le rété, li vin tourné vinaigre. Et vinaigre ça, et c'est une bagaille t'a con bail l'autre monde y a tué sur la à la croix yo pour t'a faire résister, pour t'a prendre plus douleur. Est-ce que nous comprenons bien ça me dit là? C'est-à-dire que vinaigre ça ouais au balia, c'est pour te kembel en vie pour souffrir plus. Mais attendez, la vie nous pas dépend de l'homme et la vie de notre sauveur Jésus-Christ, t'es signé, t'es écrit, Jean mourir à ce qu'on s'est de mourir. Eh bien, ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la 7 parole de notre sauveur Jésus-Christ. Il a déclaré dans la première parole, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré toutes ces humiliations, tout ça nous fait, toute critique, côté même monde qui était avec Jésus, renier, Dieu pas qu'on est, eh bien, Jésus dit, papa, pardonnez-vous, parce que par contre, ça a fait. Eh bien, qui ça, moi, avant de faire, faut apprendre à pardonner l'autre. Parce que si nous ne pas pardonner,
Jésus pas pardonner nous tout. Deuxième parole, Jésus t'est prononcé à la croix que nous joignons dans le livre, toujours dans l'évangile de Luc 23, le verset 43. Luc 23, le verset 43, dit, je te dis en vérité, aujourd'hui même, et tu seras avec moi dans le paradis. Nous songeons l'histoire là très bien, côté que, et en pile monde le larron, en pile monde le bandit, en pile monde le malfaiteur, quel que soit le nom de balia. Mais et te yon à gauche, yon qui cloué à gauche, yon cloué à droite. Et bien ça à gauche là t'as fait diffamation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça à gauche là t'as dit li péché vrai, li fait le vrai. Même j'ai grand pile moun qui a pas accusé moun pendant que moun n'a pas jamais fait le vrai. En pile moun a metté ça en sous, en pile moun a metté parole pour capable paraître plus bon. Et bien mais t'es gon ça à droite là, t'es gon ça t'est allé en connexion pour le sentiment. Qu'est-ce que ça, monsieur, ça t'a fait? Qu'est-ce que ça, ami, ça fait pour le subir? Ça nous t'a fait, yo. Parce que lui dit, l'autre là, moi, avant, nous t'es bandit vraiment. Moi, avant, nous péchons vraiment. Moi, avant, nous volons. Moi, avant, nous fait mal. Mais monsieur, ça, ça le fait. Eh bien, Jésus, moi-même, moi, déclaré, aujourd'hui même, le bras dans le paradis a pas oublié. Et puis, Jésus déclaré, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et bien, moi, le comprendre, quel que soit côtoyé, il n'est pas trop tard pour accepter Jésus. Il n'est pas trop tard pour dire, Jésus, me voici. Parce que l'heure est à l'appui, il n'est pas bon de rester au dehors. Nous avons la troisième parole de Jésus à la croix dans le livre, toujours, dans l'évangile de Jean 19e, le verset 27. Jésus déclare, femme, voici ton fils. Parce que, mal comprendre, Jésus font passation de Jean à sa mère. Parce que là maintenant, Jésus pour aller. Jésus pour aller et Jésus by Jean on sait de droit by maman on sait de accès pour Jean teke maman là pour Jean teke maman pour Jean prendre soin maman. Bah voilà notre troisième parole là, la responsabilité d'un fils responsable. Jésus pas juste mourir mais il remet maman avec frère lui qui représente Jean pour maman capable toujours être en santé à tous les points de vue. Ou même qu'a regarder là teke maman. Do the best for your mom, do the best for your parents, because parents travaillent trop, je dis après ils souffrent comme ça. Et à tous les niveaux, prends soin d'eux. Parce que lui dit, là nous prenons soin parents nous, ça prend nos vies, la vie longue. Nous avons quatrième parole de Jésus à la croix dans le livre, toujours, l'évangile de Matthieu 27, l'évangile Matthieu 27, le verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes chers amis, c'est une parole vraiment et exceptionnelle, cette parole. Parce que le Dieu suprême, le Père, il arrive au moment où il n'a pas qu'à supporter, il n'a pas qu'à ouais Jésus. Jésus n'a pas péché, mais il t'a fait le pécheur. Il t'a fait le vine pécheur. Il t'a fait le vine péché. Il t'a pris un fardeau l'humanité. Il t'a prévu le vine péché pour le fardeau l'humanité déposé sous dôle. Eh bien, il t'a venu sembler péché. Il t'a venu sembler pécheur. Mais il n'a pas pécheur. Mais elle t'est venue sembler parce qu'elle était prête tout fardeau mettre sous lui. Et quand on chante, nous chanter, oui Jésus, t'es prêt fardeau. Moi pas capable porter. Mais fardeau péché moi avant, fardeau humiliation mieux, fardeau déception mieux. Jésus t'es prêt. Et bien mes chers amis, pas oublier, Jésus remet. Quelle que soit circonstance, Jésus remet. Et c'est l'amour ça qui mène à la croix. C'est l'amour ça qui prouve que pas qu'un autre monde qui carrément plus que Jésus. Et guess what? Drogue pas qu'à fort bon la paix. Fumer pas qu'à bon la paix. Clairer pas qu'à bon la paix. Et nightclub pas qu'à bon la paix. Je dis à ma conseiller, prends Jésus ça. Parce que la mort ça, pas ton la mort en vain. La mort ça a une grande efficacité et pouvoir. Eh bien, mes chers amis, nous pouvons regarder dans la 5e parole de Jésus à la croix. Toujours dans le livre de Jean, Jean 19, verset 28. Côté, après toute tribulation, après toute souffrance, après toute, pas oublier que sacrifice ça, et il était capable de faire des capables, d'où il fait non le côté que chaleur, soleil, là, t'es dû. Et ça fait Jésus cloué à partir de midi. Vous allez comprendre. Et non tête monne, et au cloué face à crayon soleil là. Eh bien, pas oublier que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Eh bien, Jésus était déshydraté, si nous capables de dire comme ça. Il était besoin en liquide pour col parce qu'il a perdu sang, il a perdu de l'eau. Eh bien, il était fatigué physiquement. Eh bien, il t'a dit dans Jean 19, verset 28, j'ai soif. Eh bien, c'est le ça, monsieur, yo, t'es balboué, vinaigre là, à cause de qui est-ce? À cause de moi, à cause de qui est-ce qui prend couronne piquant? À cause de moi, à
à quoi qui est-ce caché dans la figure pour moi avec à quoi qui est-ce qui prend la croix et cloué tant qu'on malfaiteur moi avec à cause qui est-ce qui porte fardeau nous pour moi avec à cause qui est-ce qui pardonne péché nous moi avec. C'est à dire que mes chers amis, nous sommes gros monde parce que nous avons gros Jésus qui fait tout travail ça pour nous. Et mais moi avec, si je dis à démon qui a tombé devant nous, si je dis à démon qui a chassé, si je dis avec Kawe, si je dis à un miracle, c'est grâce à sacrifice à quoi ça. Si diable pas manger, si c'est que la crasé, si guérison, c'est grâce à sacrifice à quoi ça. Vous mettez été branché, n'a tourné avec les deux dernières paroles de Jésus. Rétez branché, n'a pas tourné. Péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée. Oui, je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a amis, nous de retour et songez nous avons une belle conversation et quoi sont béni tout dans tout sens garder là parce que nous toujours prend soin pour nous préparer le meilleur pour vous et sous des critiques tout nous prêts pour nous entendre critiques yo parce que critiques constructives yo aider yo permettre que nous aller vers l'avant et nous c'est haïtien mais nous c'est haïtien qui croit dans de bonnes choses dans de bonnes choses. Nous t'a parlé des sept paroles de Jésus à la croix. Nous t'ai dit lui déjà nous ouais la première parole là il te dit Père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous t'ai dit deuxième parole là je te dis en vérité aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et troisième parole là femme voici ton fils. Et c'est la troisième parole de Jésus. Quatrième parole c'est mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné. Et cinquième parole c'est j'ai soif. Et nous t'ai by textio, nous by textio, nous by côté autre sorti. Et nous baille quelques définitions et rapidement de pour qui ça a été dit. Et nous allons attaquer sixième parole là.
qui trouvait dans Jean 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30e. Et il dit, tout est accompli. Parce que pas oublier que le sacrifice de la croix, c'était une fondation pour reconstruire un monde perdu, pour reconstruire un monde écrasé, un monde brisé, un monde détruit par le diable, un monde détruit par la jalousie, par le mensonge et par tout ça ennemi a été créé, par meurtre, par crime, par etc. Eh bien, la mort de Jésus réparée, la mort de Jésus restaurée et la mort de Jésus construite. Eh bien, mes chers amis, la sixième parole de Jésus à la croix, et tout est accompli. Tout est accompli, means, eh bien, moi avec nous comptons préparer. Moi avec nous pas de droit de citer en Israël. Mais la mort de Jésus bah, nous accès pour nous capables de relever petit bon Dieu. Amen. Moi avec nous t'es comme des errants. Alléluia. Qui t'a suivi, voit pas nous, qui t'es égaré dans le péché. Eh bien, Jésus vini, il mourit. Eh bien, la mort, ça, mène-moi avec la réconciliation avec le Dieu et le Dieu le Père. Eh bien, qui permettent que moi, avocat, j'ai accès du salut. Si n'a parlé de Jésus, je dis, c'est grâce avec sacrifice de la croix. Qui vous êtes, quel que soit mon nom, c'est grâce à sacrifice ça. Ma mère contre qui religion, grâce à sacrifice ça. Ma mère contre qui dans qui sont quoi, mais ne vous pas quoi dans Jésus, mon frère. Ne vous pas quoi dans Jésus, ma soeur. Ou gain problème. Parce qu'elle dit, pas que l'autre n'a pas au-dessus de tout nom, et nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus et Jésus seul. Eh bien, tout est accompli, toute bagaille déjà réglée. Tout est accompli, moi fixer toute bagaille pour nous. Tout est accompli, gros paquet de bagaille, mon avis n'avait encore, moi effacer, moi retirer. Tout est accompli, on sait le bagaille qui était qu'on fait dans l'Ancien Testament, eh bien, nous stopper, parce que je dis à partir de la croix de Jésus, à partir de le sacrifice de la croix, nous entrons dans un nouvel ordre mondial, nous capables de dire comme ça, nous entrons dans une nouveauté, nous entrons dans ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que longtemps, ce jeune homme dans l'Ancien Testament, te dit nous, mon nom frappé ou frappé le tout, mon nom blessé le tout, mais la croix de Jésus nous a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ou même qui est ennemi, ou même qui est cœur enflé, d'orgueil, rancune. Attendez, I'm telling you right now, priez. Parce que ça est au pape maintenant dans le ciel. Et si vous mourrez avec rancune, ça, vous perdu. Si vous mourrez avec haine, ça, vous perdu. Parce qu'elle dit, pardonnez-yo, même gens, moi-même, pardonnez-yo. Mais si Jésus a accepté pardonner nous à la croix, pour qui ça, moi, avant, pas capable de pardonner frère? Pour qui ça, pas capable de pardonner Mario? Pour qui ça, pas capable de pardonner petit toi? Pour qui ça, pas capable de donner madame? Pour qui ça, pas capable de pardonner Zami? Youn, pardonnez frère. Pardonnez frère l'église là. Pardonnez pasteur. Pasteur, pardonnez fidèle. Chaque monde, youn, pardonnez l'autre. Et moi, quoi, à ce moment-là, n'a pas l'évangile qui puissante. Eh bien, la dernière parole, mes chers amis, de Jésus à la croix avant, alléluia, il pral quitter Tessaa, et l'esprit, il pral, m'te capable de dire, retourner vers son père, côté il pral fini avec mission, ça a devenu accompli, eh bien, Jésus, il t'a dit, dans Luc 23, le verset 46, Père, je remets mon esprit entre tes mains. À ne pas oublier, le Dieu, il te transmet l'esprit à dans Jésus, dans un corps physique, pour accomplir le travail, bien l'être, comme tu es capable de dire, travail dans ça que Jésus t'est venu faire, eh bien, après mission, enfin accomplie, on nous connaît ça que l'accompli, accompli c'est fini, tout est accompli, eh bien, nous accomplis mission, hein, nous fini, everything done. Eh bien, mes chers amis, now, qu'on a Jésus retourné esprit vers son Père. Parce que l'esprit a l'obligé de tourner vers papa. Même Jean, le quel que soit monde mourir, l'esprit tourner vers Maître. Amen. De ce fait, l'esprit Jésus remet, je remets mon esprit entre tes mains, Père. Eh bien, mes chers amis, c'était ça que nous partager avec une période spéciale. Ça, hein? Eh bien, restez connectés avec Jésus. Et vous-même qui t'as jamais accepté Jésus, ou qu'a toujours. Relez-nous dans le numéro gain sur bas d'écran. Hein? Relez-nous, n'apprends le plaisir et un devoir immense pour nous prier avec vous. Eh bien, bon, me font prier avant pour nous clôturer belle séance. Agréable Père Saint en Jésus-Christ, Père de pardon, Père qui nous a donné le pardon et le salut par Jésus-Christ,
Nous te remercions pour le sacrifice de la croix, pour ce grand travail, Seigneur, que notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ a été, alléluia, accompli à la croix pour nous donner le salut d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour chaque serviteur, servante et chaque monde qui a regardé. Merci pour tout le monde qui peut te accepter, qui peut te connaître, qui j'ai sacrifié à tes danses, qui j'ai été dur, qui j'ai été brutal, qui j'ai été, alléluia, grave. Mais béni soit l'Éternel, c'est grâce à sacrifice ça qui fait nous malades, nous prions dans le nom de Jésus, malade, Dieu guérit. Le monde nous possède, nous chasser dans le nom de Jésus ça. Le problème est venu, nous relève Jésus et le problème est au contrôle. Le Seigneur nous entrave, c'est vous-même qui commande là pour désentraver nous. Et bien Seigneur, nous accusez nous. C'est même sacrifice ça qui va nous accès pour nous relève Jésus comme avocat par excellence. Seigneur, la mort ça a de Jésus et la résurrection de Jésus, alléluia, il fait de grandes choses pour nous. C'est lui qui fait nous monde. C'est lui qui fait nous accès à l'évangile. C'est lui qui fait nous parler de Jésus, de le salut. Merci. Merci, merci pour la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Et merci aussi d'être qu'on va retourner. Alléluia, pour venir chercher petit tuyau. Nous bénissons pour ça, au nom de Jésus. Toi qui vis, qui règne au siècle des siècles. Amen. Samim, nous t'es béni, nous t'es content, nous t'es avec. Eh bien, remettre Jésus la vie, on ne peut pas faire ça. Et si tu quitter ça, ou mettre les notos, nap, et d'eau pour connecter dans sous la vie. Qu'il en soit ainsi, que mon Dieu bénisse. I love you. Bye bye. Oh Lord, hallelujah. Nous vivons juste devant vous, nous disons merci parce que c'est bon Dieu, parce que c'est roi de roi, parce que c'est Seigneur des Seigneurs. Réalisez les gens ou merveilleux, ou dignes de louange, ou dignes de gloire, pas de gens qui est en cours. Pas de gens qui est en cours, et réalisez, gros, c'est bagaille qu'on fait pour nous toutes. Bagaille qu'on fait, bagaille que l'autre monde pas de gens fait. C'est le petit toi. Lui-même seul, seul petit garçon, non. Ou décider, ou prendre, ou voyer sous la terre, pour lui mourir pour nous, pour nous capables de jeter. À Golgotha, sous une croix, sans Jésus, sans qu'il coulait. L'accepter, le crucifier, pour te gagner la vie. A tout cœur, m'a chanté, comme l'amour de moi, m'a donné. Il y a l'autre monde qui t'a fait ça pour moi. Il y a l'autre monde qui t'a fait ça pour vous, pensez. Pas que l'autre monde qui t'a accepté. Il y a seul petit garçon que vous voyez pour mourir pour vous. Ça, c'est ça Jésus qui a fait. C'est seul bon Dieu dans le ciel qui a fait ça. Acceptez-vous et petit lui. Seul petit garçon qui a mourir pour vous. Qui est-ce qui t'a fait encore? Oh Seigneur, sous nos voix. Sous nos voix. Si coulez. Il a accepté de crucifier. Si Dieu vient de la paix la vie, aujourd'hui il y a pour les capés. Oh, tout le monde. Tout droit, tout droit, tout droit.
Je dis à ou même qui sont ou triste, ou même qui sont découragé dans la vie qui t'aime Dieu. Qui au monde qui t'aime mourir pour ou même chrétien découragé jusqu'au père, mais campé encore. Qui au monde qui t'aime mourir pour maladie. Yo. Mais Esaïe 53, verset 5, il disait, par sa maître sûr que vous êtes guéri. Quelle que soit maladie, là, vous guérir le moment ça. Jusqu'au recevoir, béni, 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 ou guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth.